Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, on reprend la dernière fois d'un World Food Company of Heroes 2 et on s'était arrêté à la 7ème mission qui s'intitulait Pont de Terre vers Reganingrad. Bien évidemment, toujours en difficulté générale et on se retrouve J'ai eu après tout le temps de ça. penser à ces hommes et ce qu'ils ont fait pour moi. Et le prix qu'ils ont payé pour leur bravoure. Ah oui, votre long séjour à l'hôpital. Ça a dû être très instructif avec le sergent Poyarski dans le service. Le sergent Poyarski a été formidable. Grâce à lui, le temps est passé bien plus vite. Soyez, mon ami. Pourquoi tant de tristesse? Vous êtes en vie. Nous devons fêter ça comme il se doit et boire à la mémoire de nos camarades disparus. Comment faire la fête, après ce que j'ai vu? Buvez pour oublier. Ça marche pour moi. Ouais. Mais chaque soir, quand je ferme les yeux, je suis à Stalingrad. Au moins, à Stalingrad, vous aviez à manger. Leningrad était coupé de tout. Les Allemands ont affamé la ville pendant plus d'un an. Pouvez-vous imaginer l'effet que cela a sur les gens? Ils deviennent des animaux, prêts à tout pour survivre. À tout. Mais nous avons survécu. Donc, janvier 1943, Shilzebourg, est de Leningrad, URSS. Alors que la victoire de l'armée rouge à Stalingrad approchait, à partie nord de Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, s'émiettait en raison d'un blocus imposé par les Allemands pendant plus d'un an. La Wehrmacht pilla et détruisit des cargaisons entières de nourriture et d'équipements militaires. Les Soviétiques lancèrent l'opération Iskra en janvier 1943 afin de sécuriser une ligne de ravitaillement jusqu'à Leningrad. Mais les forces allemandes maintirent le siège longtemps après le modeste succès d'Iskra. Ivan Pozarski combattit sur le front de Volsko, poussant vers l'ouest en direction de la ville de Shilzebourg, tandis que les hommes du front de Leningrad luttent vers l'est à travers la Neva gelée. La ville est morte. Il n'y a plus d'électricité, plus de tramway. Les pièces chaudes sont rares, il n'y a plus d'eau. Les traîneaux restent l'un des seuls moyens de transport, et transportent des cadavres dans de simples cercueils. La ville se meurt comme elle a vécu lors des 6 mois passés, serrant les dents. Nikolai Markevitch, journal de Leningrad, est encore désolé d'avoir eu un peu de mal à lire. La fatigue. Allez, camarades, à l'attaque! Combattez! Tout est réalisé avec le moteur graphique du jeu, je précise. Traversez ce foutu fleuve et tenez la position sur la rive est. Balancez des cocktails Molotov et des grenades pour nettoyer les tranchées. L'ennemi attaque notre QG. Plus vite! Si vous faites gaffe, c'est pour ceux qui ont joué à la démo, c'est la mission de la démo. Avec quelques modifications, bien évidemment. Allez, camarades, à l'attaque! Troupes ennemies éliminées! Qu'est-ce que vous voulez? L'ordre rien! Là-bas, vite! Attaque au mortier! Je suis planté de côté! Petite boulette. Allez du côté droit. Tire mortel contre les fossés en grenade! Il n'y a pas la boulette que je viens de faire, je suis passé par le côté gauche. Qu'est-ce que vous voulez? Envoyez-les à l'enfer!
Je trouve quand même les. J'ai beau avoir réglé ces paramètres-là assez. Peut-être le volume principal qu'il faut modifier. Et voilà, ouais. Grenade. Non, le dialogue, bon. Ouais, bon. On va remettre ça. Qu'est-ce que vous voulez? On a trouvé l'ami. Promu. Évitez de perdre vos sections là, bien cette évidemment. A besoin d'aide. Vous l'aiderez à combattre. On se tire d'ici. Et normalement, en fait, vous devez arriver recrue, par là. Aidez cette section. Qu'est-ce pas un pas en arrière, camarade. Et il y a une raison. On a exterminé un groupe. Je vais regarder si j'ai pas des améliorations à faire. Si... Parce que vous avez deux mortiers de 120 mm, bon, les meilleurs mortiers du jeu. Et en plus, devinez quoi? Ils sont russes! On y va tout de suite! Lancez une grenade! Que demander de plus? On a d'autres recrues à notre disposition. Prêt! On se déplace! Bon, plus sérieusement. Vous avez un objectif secondaire qui est. Fusilier prêt! Serrez bien vos bottes! De n'utiliser aucun mortier, de ne récupérer aucun. C'est un succès de sim, donc si vous voulez, voilà, tout de suite. Je l'ai réalisé sans beaucoup de difficultés, mais faut juste prendre son temps. Je préfère vous dire tout de suite, faut juste prendre son temps, étant donné que vous utiliserez au final beaucoup quand même. Préparez ce tube. Rejoignez cette section et combattez. Un autre busier allemand bombarde le poste de commandement allié. Capturez-le ou détruisez-le. L'artillerie alliée va couvrir la rive par des tirs de barrage afin d'éliminer l'ennemi. On a d'autres recrues à notre disposition. Prêt. Rejoignez cette section. Elle a besoin d'autres hommes. Groupe en attente. Bon. Cette section a perdu des hommes. En gros, l'idée c'est. Le lance-flamme, c'est une arène. On récupère l'artillerie là. On l'enterrera plus tard. Oh! Eh, ils ont sacrément réduit sa portée pour cette mission. Bon. Au final, l'avoir n'est pas si important que ça. Il est temps d'y aller! Prêt! On s'en va, vite! Presque mort, faut que je prenne soin. Explosez-moi ces fumiers! Battez-vous jusqu'au dernier! Eh ben, j'ai fait une connerie. J'ai replié des troupes qu'il faut pas replier pendant qu'on a la lourde. Bon, tant pis. Besoin d'un appui de mortier? Bon. Moi qui voulais en fait faire un truc bien, je me rends compte que prendre le canon va pas me servir, peut-être. Ça va sûrement pas me servir à grand chose. Une médaille ou une balle? L'ennemi nous attaque! On subit des pertes! Camarade! Bon. Go, tu peux replier maintenant. Replie, camarade! Les officiers du NKVD sont partis. Qu'est-ce qu'on peut faire? L'ennemi nous prend pour bon. Cible! Honnêtement, j'ai déjà réussi à protéger l'artillerie, mais sachant que vous la protégez ou pas, au final, camarade. Ça change rien du tout. Un amateur. En mouvement. Voilà. On attend vos ordres. Prêt. On est attaqué. Bon, avec l'artillerie, vous pilonnez. Bon, les lignes de défense sont logiques, c'est vrai, sac de sable qui a beaucoup de troupes, donc vous faites sauter vous tous les sacs. Tout simplement. Ici, les troupes de choc. Notre sang coule, camarade. Et tout ira bien. Toute retraite entraînera la mort. Cette mitrailleuse attention est des fantassins. Ah, de artillerie de propagande. On a perdu d'autres combattants. Pourriture de communistes. Quels sont les besoins? Bon. Notre section s'en occupe. Tirez un barrage de mortier. Donc ici se trouvent des snipers. Bon, plusieurs snipers. Vous devrez les éliminer pour pouvoir continuer. Bon, l'artillerie là pour la Rodina. Me prend je sais plus combien de population. 12, 9, quoi. On attend, ça fera circuler le sang.
Quels sont les besoins? Pour l'instant, je vais la conserver parce que ouais, ça me permet de... Restez planqués ! De faire sauter les défenses ennemies. Contact avec l'ennemi, camarade! Recrue. On a d'autres recrues à notre disposition. Staline compte sur nous! Voilà. On exécute les ordres! Voilà notre objectif. On doit s'emparer de cette zone! Unité de mortier à vos ordres. Bon. Voilà pourquoi ces mortiers sont vraiment pratiques, parce qu'ils ont une très bonne cadence de tir. Ce qui est à base demandé pour les mortiers. On y va. Et le deuxième point positif, c'est qu'ils sont très puissants. Vous avez des ordres. Voilà. Donc voilà. Donc les snipers, il y en a un ici. Pas de problème. Il y en a un là. Et je crois qu'il y en a encore bien un sûr. Ici. J'ai un doute pour le troisième. Déplacement. Et honnêtement, on verra bien. Quels sont vos ordres? À gauche, l'ordre nous, 227 nous a sommes été en train annulé. De passer. Attaquez l'ennemi! Attention, si votre avis en dépend, montrez-leur comme se bat l'armée rouge, un amateur! Et voilà, il y a bien un deuxième sniper ici. Alors, voilà, ça me prend 9 de population ces canons d'artillerie. Et je croyais en fait c'était comme en multijoueur à portée. Je veux dire, d'habitude je le prends pas. Visez et tirez! Ah, donc bon. Unité de mortier à vos ordres. L'ennemi tire! Et je crois qu'il y a une mitrailleuse. Grenade, et ouais. Section Frontoviki arrivée pour le combat. Et je vous présente un bug du jeu. Pas un pas en dans certaines arrière, missions. Camarade. Quand vous débloquez une nouvelle compétence, ça vous rajoute un onglet. En réalité, c'est le même. Ne pas ce terrain. On mais ils en rajoutent un. Ce terrain va devenir secret. Les fantassins nous tirent dessus. On a l'ordre de capturer cette zone. Le troisième qui est là. Été repéré sous cette position. Prenez-le. Déplacement pour capture. Section de mortier prête. Mortier en route. Contact. Groupe en attente. Ah, cocktail Molotov, c'est bon, vous terrez. Brûlez. Grenade. Mètre par mètre, on reprend ce qu'est à nous. Déplacement. Camarades, on est les premiers à traverser cette rivière depuis plus d'un an. Mais maintenant, nous devons capturer le quartier général allemand de Schlisselburg. Une fois le QG pris, il ne faudra pas le perdre quand on débusquera ces chiens d'Allemands. En forçant un peu notre chance, on pourrait même rejoindre nos alliés de l'Est. Les renforts blindés arrivent. Utilisez ces troupes pour démolir les garnisons ennemies et leurs panzers. Les canons d'assaut SU-76 sont arrivés. On peut bombarder l'ennemi à distance, commandant. Bon, je vais pas vous mentir, c'est pas mon unité préférée, c'est comme moi. Il me remonte une base, c'est génial. Sauvegarde en cours. Voilà. L'ennemi a éliminé une autre section d'infanterie. Et je vais pas mentir. On subit des pertes. Destination bien reçue. Heureusement que j'ai mes mortiers. Section Frontoviki arrivée pour le combat. Toute retraite entraînera la mort. Avec vos mortiers, en fait, votre objectif est vraiment de pilonner la rive adverse. D'ailleurs, je vais mettre en contrôle 1 et contrôle 2. Oui, chef. Chacun fait selon ses capacités. Allez, on avance. Et vous constaterez que c'est vraiment pratique. Bon, les SU-76, en gros, c'est comme vos canons anti-char. C'est exactement pareil. Ouais, ils peuvent faire un barrage d'artillerie. Résistez si vous jusqu'au bout pour la Rodina. Dispersez l'ennemi avec de l'artillerie légère. Vous voulez crever ici? Alors bougez! Allez hop, on envoie.
toutes nos troupes. Section, on déplace le mortier. On bouge. Donc voilà, ce sera en gros, vous, c'est votre chasseur de char léger, côté russe. Vous avez des ordres ? Je vous présenterai le chasseur de char lourd par la suite. Déplacement reçu. Pas dans cette mission-là. Mais si vous êtes patient, vous le verrez bien. Alors, petite explication de l'artillerie de propagande. Vous avez pu constater qu'ici, on voit des sortes de tracts volés. En fait, c'est une artillerie, une capacité spéciale qui peut faire ça, c'est l'artillerie de propagande. Et si jamais des unités passent durant ce barrage d'artillerie, ils fuient. Tout simplement, ils rentrent au QG, bah, ils sont apeurés par un propagande. Là-bas, vite ! Une mitrailleuse que vous voulez. Nous vise. Voyons s'il s'apprécie une grenade. Et boum, on a donné une leçon à ces fantassins. On attend vos... On est parti. Je me fous qu'ils veuillent ces terres. Elles sont à nous. Donc c'est une artillerie, je dois ils dire... Ils tirent dessus. Occasionnelle. Oui, camarade. C'est très pratique contre les personnes qui adorent spammer infanterie. Totalement. On a l'ordre de capturer quelqu'un cette qui zone. Joue quasiment qu'infanterie. L'ordre 227 a été annulé. Vous verrez que ça c'est très pratique qu'est-ce contre ces gens-là. Avancez. Les grenades. Nous ne sommes plus un problème. Notre sang coule, camarade. Par contre, il faut éviter pas qu'il me fasse sauter le... On est en route. Le canon du char vous sera très utile tout de même. Hein. Étonné que les armements de manière générale ont une meilleure pénétration des véhicules frontalement que les unités russes. Il faut les préserver. Donc on va passer nos canons. Partir ici. Allez, allez! Claudia. Section Frontoviki arrivée pour le combat. Mitrailleuse ici. Entraînera la mort. Je sais à peu près où sont toutes les. On bouge! Troupe de choc! Grenade, allez! Voilà, c'est bon. Allez, hop. Au revoir. Cette unité de mitrailleuse est morte! On y va! SU-76, prêt! Je veux dire aussi que vu le nombre d'heures de jeu que j'ai sur cette campagne, c'est logique que je commence à connaître un peu tous les endroits où il y a des ennemis. On se déplace! On nous tire dessus! Normalement, cette compétence est très pratique. Allez, préparez ce canon! Étant donné qu'elle permet à vos troupes, en gros, de tirer en avançant. Ce qui est tout de même un avantage non négligeable. La section a besoin de vous. Allez-y. Mais le plus souvent, ça affaiblit vos troupes. Ça sera fait. Étant donné qu'elles se mettent à découvert. Et moi, je préfère honnêtement ne pas l'utiliser. C'est pratique quand on va vous... Quand les unités ennemies sont aussi fortes que les vôtres. Pas quand les unités ennemies ont quelques petits bonus qui les améliorent comparé à vous. Fortifier ce territoire et essuyer l'assaut. Donc voilà, et... D'accord. Coûte très cher en munitions, mais peut être très pratique, mine de rien. Prêt. Les supérieurs ont annulé l'ordre 227. Encore eux. Repoussez les soviétiques. Recrue à vos ordres. Si on perd le QG, on s'en va en fait du haut commandement. Unité de mortier. On voit. Vous y allez à coup de mortier et tout ira bien. L'ennemi nous tire dessus. Bon, j'avais oublié le pont, donc la technique vous faites sauter. Contact hostile. On subit des pertes. Besoin de quelque chose. Déplacement. Ici, unité de mortier. SU-76, en mouvement. Bon. Le canon d'assaut. Voilà, faut faire sauter le pont en fait. En faisant sauter le pont, les ennemis feront tout retour par là-haut. Un amateur. Pour ce qui est de l'infanterie, ce qui permettra d'être un peu plus longtemps protégé. Section Frontoviki arrivée pour le combat. Résistez jusqu'au bout pour la Rodina.
En gros, vous évitez simplement que l'ennemi vous submerge. Tout simplement. On est prêt à tout. Et on constate que vous avez beau aider vos amis, mais ils servent à rien. Ça, par contre, ça c'est vraiment un reproche que je peux faire au jeu. C'est que les alliés dans ce jeu, ils font ce qui est prévu à la base. Et si par exemple vous faites, par exemple là, moi j'ai déjà fait mon bordel. Ils continuent, pas. Là par exemple moi je viens de capturer, une fois que j'ai capturé ce point 1, leurs troupes ne bougent plus. Et voilà, c'est fini pour eux, ils font plus rien d'autre. Ça mine de rien c'est vraiment dommage. Mais bon. Serrez bien vos bottes. C'est le jeu, hein, on va faire avec. Troupe ennemie éliminée. L'inté allemand en approche. Ça c'est sûr. Donc vous constatez que les mortiers, ici, unité de mortier. Sont légèrement légèrement fumés, voilà. Je cherchais un mot plutôt correct, je dirais explosé, mais non, fumé. On tire précis sur notre position. De par le fait qu'ils sont très puissants en fait, et qu'une fois qu'ils sont gradés en fait, ils font toujours plus de dégâts. Bataillon disciplinaire prêt à être déployé. Pas un pas en arrière, camarade. Voilà. Voilà les dégâts des mortiers quand même. On a vu qu'il y avait plein d'infanterie, ça a quasiment tout détruit en quelques secondes. Ce sera leur dernier assaut. Tenez le secteur. Bougez, vite. Bon, mon infanterie là, ce que j'essaie de faire, c'est capturer le point au nord. On va là-bas. Je pense que vous en étiez douté. Faites bon usage de ces lâches. Je veux pas crever. Allumez-les. Pas comme ça. Youhou. Attention, grenade. Kampfbat en attente d'ordre. Oula. Toute retraite entraînera la mort. Visez ce véhicule. Attaque d'infanterie civile. Attention aux armes anti-chars. Putain. Hey. Il est touché. Grenade. On est là pour mourir. Pour couvrir mes troupes. Bon, mais je viens de perdre toutes mes sections, ce n'est pas grave. Hein, bah. Disciplinaire en attente. Résistez jusqu'au bout pour la Rodina. Voilà. Si on meurt, on avance. Pas envie de dire, mais il y en a qui sont chanceux, hein. On peut plus rien faire ici. Et c'est ainsi que nous avons réussi à défendre. Les fantassins se sont sacrifiés. Je suis pris. On a détruit le gros de leurs blindés. Nettoyez les dernières garnisons ennemies et Schlisselburg est à nous. Un groupe d'ennemis en moins. Ouais. Bon, je vous expliquer ce qui va nous attendre, puis on fera une petite coupure, étant donné que la vidéo va bientôt se faire assez longue. On va déjà capturer les points de gauche et le point ici, et après on fera notre coupure, bien évidemment. Je vais pas couper en plein milieu. Je vais pas être quand même cruel. Pas un pas en bon, arrière, déjà, camarade. Vous avez un gros coup de bug. Le Panzer IV est intact. Récupérez-le. Vous n'aurez pas de meilleur char durant cette mission. Donc. Vous vous posez pas la question. Vous récupérez ce char. Ramassez-le. Un lâche n'aurait jamais pu faire ça. Notre nombre d'unités augmente. Les sections disciplinaires sont. Et honnêtement, c'est très rare que Panzer IV survive. Notamment parce que vous avez des mortiers, mais quand il survit. On a en avant. Marche. On est en route. C'est que du bonheur quand il survit, honnêtement. Le
commandement veut qu'on sécurise ce territoire. Donc ici on est en continué et ce qui va nous attendre c'est qu'il y a deux passeports à prendre, à droite et à gauche. À gauche, ça doit être deux usines je crois, de mémoire. Voilà, c'est deux usines à prendre. Mais pour les prendre, il faut déjà neutraliser des positions surélevées. Pourquoi faut-il les neutraliser? Parce que sur cette position là se trouve un pack 43. Donc en gros un tueur de chars, et ici se trouve un deuxième pack 43. Ces armes à eux seuls peuvent détruire votre armée. On n'est pas en vacances. Lancez les charges. Vos véhicules. Vous n'aurez aucun véhicule capable de s'opposer à ça. Je perds des hommes. On a tué un groupe d'ennemis. Notre territoire tombe aux mains de l'ennemi. Toute retraite entraînera la mort. Donc, un conseil, faites bien attention. Bon, on va améliorer avec l'AMG. Vous pouvez quand même faire les choses bien. Alors, je vais vous expliquer ce qu'on va faire durant cette deuxième mission. Nous allons avancer à travers champ, à travers la neige, et récupérer cette position. Mais pour ça, il me faut un nombre d'infanterie assez conséquent. Résistez jusqu'au bout pour la Rodina. Assez conséquent, et si possible, le plus de mortiers possible. Enfin, plus de mortiers. Faut, ce que je veux dire par plus de mortiers, faut pilonner pour pouvoir avancer correctement. Étant donné qu'à droite, c'est un peu tendu quand même. Hein. On va peut-être avancer à gauche. On va peut-être avancer. On va avancer par à gauche, c'est ce que je conseille. Déjà le point gauche, puis après le point de droite. Vous tenez qu'à droite, vous aurez un petit coup de main, vous prendrez très vite pourquoi. Besoin de chair à canon ? Qu'est-ce que vous attendez ? Les bataillons disciplinaires. J'adore ça. On a vaincu un groupe d'ennemis ! Unité de mortier à vos ordres. Donc voilà, vous pilonnez avec vos mortiers ici. SU-76, prêt ! On va faire le temps par là. Faites bon usage de ces lâches. On va accumuler des troupes, on va réparer le Panzer 4, puis après on lancera notre assaut. Donc petite explication de ce que je fais. L'ennemi a une position, bon ici une petite position, mais a une position assez lourde là-haut. Et je vais préparer le plus de troupes d'infanterie possible pour la prendre. Une fois que j'aurai fait sauter le pack 43 qui se trouve là-haut, fait sauter ou capturer, donc voilà, ça peut être aussi capturer, je lancerai mon assaut de blindés à gauche. À droite, je neutraliserai ce pack 43 là, puis je lancerai également mon assaut à droite. Donc, chaque chose en son temps, gros, si vous préférez. On va prendre l'objectif. Oui, camarade. Occupez-vous de ce pack 43 avant qu'il détruise notre blindé. Contournez et éliminez les équipiers. Nos alliés de la 2e armée de choc ont presque transpercé les défenses allemandes. Capturez le territoire en hauteur pour accélérer leur progression. Ici, en gros, capturez ce territoire-là et là, et les troupes alliées arrivent. On a perdu d'autres combattants. Ça veut dire ça en fait. Section de mortier prête. Et il faut dire que recapture n'est pas forcément la chose la plus facile de cette mission. Mais bon, voilà, mes troupes sont préparées. Vous savez déjà ce qui nous attend dans cette deuxième partie de cette vidéo. Et je vous dis à tout de suite pour cette Mother Charge, que vous comprendrez très vite pourquoi. Donc nous revoilà. Donc je l'ai dit en anglais, mais ce que je voulais dire c'était... besoin de ces ordures. Pour la charge pour la mère patrie, hein. Pour l'instant, nous devons continuer. Faire, là. À toutes mes troupes, on court. Yeah. Allez, bougez-vous. Bon. Et voilà. Besoin d'une unité suicide. Filez comme si votre vie en dépendait. Un groupe d'ennemis nous attaque. Ah oui, j'ai oublié que le pack 43 peut m'aligner. Faites bon usage de ces lâches. Et mince.
Les gars, par contre, c'est une perte que j'aurais dû pas... j'aurais dû faire attention, moi. Vous devez vous en emparer. Vous allez prendre ce territoire. Et ici, il faut qu'ils avancent. Là aussi. Il y a des pertes chez les Strapiers. On attend tout ordre. Pas un pas en arrière, camarade. Nous avons été récompensés. L'État lui pardonne à présent. Prenez ce secteur pour le commandement. Emparez-vous de ce secteur. Voilà. Vous allez prendre ce territoire. Le conseil que je peux donner, c'est en fait neutraliser le canon là. Chargez ce canon anti-char. Cette terre appartient à la manière que vous voulez, puis après récupérez eux. Blindés en approche! Cachez-vous! Les sections disciplinaires sont disponibles et prêtes à mourir pour la mère patrie. Les nouvelles unités sont arrivées. Ennemis tirent! Toute retraite entraînera la mort! Les troupes disciplinaires ont pris un secteur. La résistance est oui, camarade. Lancez un barrage d'artillerie légère! Canon, on ouvre le feu. Vous avez besoin de ces ordures. On constate quand même que ces unités. Nous avons prouvé notre valeur. Évidence. La propagande contre l'ennemi commence. N'est qu'un strafe. Nous avons accès aux sections disciplinaires. Faites bon usage de ces lâches. Contact hostile. Oui. Résistez jusqu'au bout pour la Rodina. Emparez-vous de ce secteur. Me supplanter en fait, ça immobilise, ça bloque les unités ennemies. Et d'avoir sauté le QG en haut à gauche. On attend les ordres. Les Strafniks. La deuxième armée de choc arrive sur le front de Volkov. Besoin de. Les sections disciplinaires sont disponibles et prêtes à mourir pour la mère patrie. Comme vous voudrez. Ordre reçu. Ici Souchka, qu'est-ce qu'il vous faut? Voilà. En ayant attaqué là-haut, en fait, j'ai quand même fait sauter une bonne partie de la défense ennemie. Prenez l'objectif. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de butin pour les Strafniki. Lancez ! Notre propagande sont disponibles pour un lâcher sur les fascistes. La grenade ! On dispose d'une nouvelle unité. Bougez pas ! Pas un pas en arrière, camarade ! Voilà. Non, camarade. En fait, pour bien réussir à ce moment-là, si vous voulez vraiment profiter à fond de vos alliés, il faut déjà avoir fait sauter le pack 43. Les vrais soldats sont occupés. Prenez ce territoire. Parce que c'est uniquement le pack 43 qui est capable de stopper l'avancée de vos troupes. Incapable. Vous connaissez votre c'est celle qui est la plus efficace pour arrêter d'avancer des chars ennemis. Des chars ennemis. Et on peut constater d'ailleurs qu'ils ont plutôt fait un bon carnage. Unité en attente d'ordre. Ok. Tirez un barrage d'artillerie légère. Il y a trois territoires en hauteur. Ici, ici, ici. Encore. Notre nombre d'unités augmente. SU-60. Toute retraite entraînera la mort. Ennemis tirent. Infinis-moi. Pour l'instant, nous devons continuer. Oui, camarade. Tout de suite. J'en ai perdu un et j'ai perdu le deuxième. Les sections disciplinaires sont disponibles et prêtes à mourir pour la mère patrie. Je fais des erreurs bêtes, c'est pas grave. Résistez jusqu'au bout pour la Rodina. Si on meurt, ce sera plus... Notre section d'infanterie a préféré mourir plutôt que... Alors c'est la grenade anti-char. Détruisez ce char. Ne montrez pas votre père. Ici... En avant. SU-76 en route. Voilà. On peut plus rien faire ensuite, ici. Il faut tenter de récupérer cela. Bien compris. Nous avons accès aux sections disciplinaires. Faites bon usage de ces lâches. Ah, il y a un groupe en fait qui va à gauche qui neutralise et un groupe qui va à droite. Donc, le groupe de droite, comme d'hab, moi il se fait atomiser. Et je vous rassure, c'est pas une exception, c'est normal. Frappez ce char avec une grenade anti-char. Tout repli est impossible. J'ignore comment. Mais les chars vont neutraliser un char. Recherche de la cible.
Bon. Le plus dur, là, c'est en fait, étant donné que je n'ai pas le pack 43. Sont disponibles et prêtes à mourir pour la mère patrie. C'est que je vais passer à l'ancienne méthode. Vous positionnez vos troupes en hauteur ici, pièces d'artillerie, et vous faites sauter à coup d'artillerie le QG, tout simplement. Prêt, on bouge. Groupe en attente. Il faut y aller. Tomber. Sinon c'est trop compliqué. Éliminez cette cible. Hop. On subit des pertes. On va pas se prendre la tête de toute façon. Hop, hop. Disciplinaire sous le feu. De courageux fantassins se sont sacrifiés. Encore un ou deux tirs au but et la victoire est à nous. Voilà. On a réussi. Le reste des troupes allemandes se replient. On peut commencer à rebâtir les lignes de ravitaillement dans Leningrad. Et c'est ainsi que nous avons accompli cette mission. Et je constate que vous aurez peut-être cette mission en une seule vidéo. Si je vois que cette deuxième vidéo n'est pas trop longue et qu'ensemble ça ne va pas durer trop longtemps, vous aurez peut-être tout en une seule vidéo. Donc je suis plutôt content de moi, j'ai réussi à faire ça plutôt facilement et plus rapidement que d'habitude. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez passé un agréable moment à mon compagnie. Quoi qu'il en soit, je vous dis à la prochaine fois. Et un petit commentaire fait toujours plaisir. Allez, ciao tout le monde.